Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar Bled de Hassan Atlemsen. Marocain expulsé d'Algérie, un appel à la création d'une commission d'enquête parlementaire. Le collectif de soutien aux familles marocaines expulsées d'Algérie a appelé à la création d'une commission d'enquête parlementaire pour les réhabiliter dans leur dignité et dénoncer la responsabilité de l'Algérie. C'est le collectif international de soutien aux familles d'origine marocaine expulsées d'Algérie qui appelle les instances nationales et mondiales qui défendent les principes de paix et de justice à faire pression sur les autorités algériennes pour reconnaître les violations qu'elles ont infligées à ses citoyens. Le quotidien marocain Al-Ahdath Al-Maghribiya rapporte dans son édition du mardi dernier que le CIMRA 75 demande à ses instances de rappeler aux dirigeants de ce pays leur entière responsabilité dans ce drame. Ils réclament par ailleurs leur indemnisation pour les préjudices qu'ils ont subis, à l'instar de ce que le régime algérien vient de faire pour les Juifs partis en France. À l'occasion du 47e anniversaire de ce douloureux événement, ce collectif a publié un communiqué dans lequel il condamne, encore une fois, la décision des autorités algériennes d'expulser des milliers de citoyens marocains résidant légalement sur le territoire algérien. Les victimes de cette décision d'expulsion, ainsi que les ayants droit, s'interrogent sur les faits qui ont conduit à ce drame humain, dont les blessures n'ont toujours pas cicatrisé après 47 ans, souligne le communiqué. Au niveau national, le collectif appelle à accélérer la création d'une commission d'enquête parlementaire sur ce dossier, comme l'avait promis l'ensemble des groupes parlementaires contactés à ce sujet. Le dit quotidien marocain souligne que la même source indique que la CIMRA 75 et l'Organisation marocaine des droits humains, OMDH, avaient présenté un mémorandum pour création d'une commission d'enquête parlementaire sur le drame des Marocains expulsés d'Algérie de manière arbitraire et sans avertissement préalable, et le collectif de préciser que la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le drame des Marocains expulsés d'Algérie revêt une grande importance, notamment pour la documentation de cet événement, une documentation qui serait faite par une institution constitutionnelle sérieuse. Cette commission permettra aussi de collecter les données détenues par les différentes administrations, les services publics, ainsi que les instances et les personnes morales physiques. Cette initiative de l'institution législative aura un impact important sur la réhabilitation de la dignité de milliers de Marocains et la dénonciation de la responsabilité de l'Algérie dans cette tragédie. Une tragédie qui était sous les ordres de l'ex-président de l'Algérie, le criminel Houari Boumediene, qui en voulant se venger de la marche verte très réussie par le roi Feu Hassan II et la libération du Sahara marocain, initialement occupé par l'Espagne, en voulant se venger et exprimer sa haine, il a causé un grand malheur à des Marocains innocents qui vivaient pourtant parmi tous les Algériens en famille à l'époque.